Voltaire écrivait « Il ne faut pas croire que les géographes connaissent ces pays du Nord comme nous connaissons l'Italie, la France et l'Allemagne. La géographie est encore de tous les arts celui qui a le plus besoin d'être perfectionné. » Et ce n'était pas une référence aux arpents de neige qui ont fait couler beaucoup d'encre ici, mais une invitation à découvrir le Nord, ce que vous fîtes tout au long de votre vie. C'est avec joie que la France a décidé d'honorer une personnalité éminente dont le nom est indissociable du concept de nordicité. Louis-Edmond Hamelin fonda il y a 50 ans le Centre d'études nordiques. Et pour souligner l'étendue et la brillance de ses travaux, mais aussi son amour pour la France, Hélène Le Gall lui a remis les insignes d'officier dans l'Ordre des Palmes académiques. Madame Hélène Le Gall, consul général de France à Québec, Monsieur José-Louis Palacio, membre de ma famille, Jean de France et d'Amérique. Je témoigne du généreux honneur que la République française daigne me faire en m'accordant le grade d'officier dans l'Ordre des Palmes académiques. Je vous remercie particulièrement d'avoir pris l'initiative de cet heureux événement. Vous avez même poussé l'attention jusqu'à choisir pour la cérémonie une semaine de notre cité française. J'ai reconnu quelques-uns de mes néologismes dans les grands dictionnaires de l'Hexagone. Je n'ai jamais été plus impressionné que ce mot-là. Penseur, terminologue, poète, Louis-Edmond Hamelin est aussi l'auteur du livre « Nordicité canadienne » publié en 2006, qui est considéré comme l'ouvrage le plus important de ces 50 dernières années en sciences sociales.